شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je suis d'abord très content de participer avec vous sur une thématique qui nous est chère. On va utiliser le langage qu'il faut. Je suis avant tout, comme je suis scientifique, donc il faut qu'on parle le langage qui permet le développement de la science. Je voudrais dire aussi, je vous félicite pour l'excellente salle, parce que je suis un peu le projet lors du lancement et je trouve qu'on a de belles infrastructures. La présentation que je vais faire ne se limite pas à COST. COST, on verra, c'est une action, je vous présenterai ce que c'est. Mais c'est l'état, j'allais dire presque, de sinistre dans lequel nous nous trouvons en termes de participation, en termes de visibilité, en termes de pénétration de la recherche algérienne dans le concert des nations au sens large. Je vous parlerai de la situation réelle et bien sûr des perspectives. Vous verrez que s'il y a des retards, s'il y a des difficultés, ce n'est pas de la responsabilité du chercheur seulement. Et je ne dirai pas que la responsabilité est partagée, non, parce que je n'assume pas. Mais il y a des gens qui ont fait en sorte qu'on soit dans une situation qui n'est pas, que nous ne méritons pas. La présentation que je fais, donc, c'est une présentation publique. Je vous invite aussi à assurer la large diffusion. Et le message principal que je voulais mener, c'est comment expliquer aux chercheurs, comment expliquer aussi aux masterants, aux jeunes étudiants, qu'ils doivent construire leur avenir par eux-mêmes. Ce qu'on fait, c'est essayer de faire connaître les instruments nécessaires. Bien sûr, on ne va pas faire de la politique. Je vais vous raconter une anecdote très très simple sur les MOOC, tout ce qui est système en ligne, etc., et notamment de certains pays, je ne vais pas citer. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on essaie d'attirer des étudiants en leur disant « Voilà, vous avez des cours, vous avez des exercices corrigés, venez », il ne faut pas perdre de vue une chose. C'est que ces structures, ces organismes internationaux vont connaître nos étudiants mieux que nous. Et donc, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Et ne soyez pas étonnés, donc, si beaucoup, beaucoup d'étudiants continuent à partir. Moi, je disais que aujourd'hui, on a 417 000 scientifiques recensés INSEE en France, algériens recensés INSEE en France, dont plus de 192 000 au cadre. Je dis que la vérité, on doit la dire toute crue. Je dois dire aussi que l'Algérie, elle est à la 125e place sur 128 en termes de capacité de retenir l'élite. Les premiers, bien sûr, c'est les Suisses. Singapour, elle est en 4e position, mais nous sommes à la 125e position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir une lumière qui a une idée géniale et pratiquement vous l'aidez à faire. Si on veut construire une société, si on veut construire un pays, il faut absolument mettre les moyens. Maintenant, ce n'est pas d'illusion. Lorsque on a beaucoup d'opportunités qui viennent pour la coopération, moi je le dis d'abord, il faut armer les gens d'un savoir, de savoir-faire, etc. Maintenant, sans l'avenir, il peut le construire comme il veut. Fiblet ou la fiblet rara. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'avenir de nos enfants. Et quand je dis financement coopération, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer et on ne donne pas pour rien. On ne donne pas pour rien, ça vous le savez, même si l'échange illégal, on ne le voit pas immédiatement, mais il y a des réalités qu'il est nécessaire d'essayer d'analyser. Et les structures en charge de la coopération ont une mission importante. Mais il faut qu'on serve avant tout de relais.
pas de structure de décision. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui disent un âge, j'ai déposé ceci, on ne veut pas me signer. Ce n'est pas là. Il faut absolument mener l'information chez les gens, les encourager à aller vers l'excellence. Même si cette excellence, ils vont la valoriser dans d'autres pays, aujourd'hui on veut valoriser les compétences nationales, les compétences algériennes, les compétences du futur. Donc je dresserai tout simplement dans mes présentations, premièrement la situation de la recherche, m'excuser, mais telle que je la vois moi, quoique même je suis sur la même longueur d'onde avec le professeur, voilà qu'on parle le même langage. Je dis on parle avec le même langage, malheureusement c'est pas le même langage qui est partagé par tout le monde. Je le dis aussi que la recherche algérienne, je vais vous expliquer lorsqu'on va parler de projet de coopération, la recherche de façon globale n'a jamais été réellement au centre des préoccupations des décideurs. Je prendrai même des contre-exemples, preuve à l'appui. Mais la perspective aussi de projets tels que le futur projet européen, Horizon Europe, je vous verrai, je fais un diagnostic et puis on discute ensemble. Je vous montrerai quelle est la place de l'Égypte, quelle est la place de la Tunisie, quelle est la place du Maroc. Comment des pays peuvent mettre un dollar pour en récupérer 18. Comment on essaie de mettre de l'argent et qu'on le gaspille. Et tous ces éléments-là, à travers des présentations que j'assume, et puis c'est, vous verrez les sources d'informations, c'est pas moi qui les... Donc je voudrais que la présentation soit la plus diffusée possible, qu'elle puisse vous servir comme base de travail, et puis... s'il est nécessaire de revenir sur certains aspects, ou si vous avez besoin de compléments, on est toujours à votre disposition. Donc je vais essayer en l'espace d'une heure de vous brosser un peu la situation, et puis bien sûr je serai là pour l'écoute, pour des éclaircissements. Voilà. Merci. Voilà, j'ai intitulé ma présentation « Instruments et perspectives de la coopération bilatérale Algérie-Union européenne en sciences et technologies ». Donc vous voyez, premièrement, on cible bien un domaine, c'est la science et la technologie. Et attention, les gens, lorsqu'on parle science, c'est au sens large. Et bien sûr, on verra que les sciences sociales et humaines ont une place prépondérante. Le deuxième élément, j'ai dit l'Algérie et l'Union européenne, parce que nous allons parler d'instruments donc qu'on est en voie de développement avec l'Union européenne. Avant cela, bien sûr, comme il est d'usage, c'est bien de situer un peu de vous donner les grands indicateurs. Premièrement, 1440 laboratoires de recherche, je dirais presque 1500 maintenant. 25 centres de recherche, 22 centres de recherche, mais on vient d'avoir 3 nouveaux centres de recherche de créer. Mais surtout des ressources humaines importantes dans la recherche. 27 000 enseignants-chercheurs sur les 61 623 enseignants. Le nombre de chercheurs permanents très très faible, hein, donc. On discute, on essaie de faire pour le mieux, donc pour augmenter ce nombre qui est vraiment dramatique comparativement à d'autres pays. Donc 1574 chercheurs MERS, 285 en MERS, 3200 personnels de soutien et 200 chercheurs en industrie à travers le CRT de Saïdal, son APRAC, son MCAS, etc. Donc je veux dire par là, nous avons des infrastructures qu'on peut résumer en centre de recherche, universités et grandes écoles, avec les laboratoires de recherche, et puis de l'autre côté, bien sûr, les impacts, les infrastructures et les ressources humaines.
Alors, tout le monde se bat pour l'augmentation de la production scientifique, parce que c'est un indicateur, c'est un véritable indicateur, mais moi je dirais qu'il y a un autre indicateur qui est beaucoup plus important, qui est le nombre de citations. Et je vais revenir sur ça. Donc je rappelle pour mes collègues qui sont en train de prendre des photos que la présentation elle est publique, elle va être, donc tous les documents seront mis à la disposition donc, du centre de recherche qui en diffusera. Donc vous voyez, de façon, si on voit la production scientifique, donc effectivement on voit une petite stagnation 2014-2015, mais la progression est continue. Un autre élément très très important, nous pensons que nous avons atteint un seuil de saturation. Je veux dire que les gens qui publient beaucoup, ces dernières années, publient moins. C'est-à-dire la progression de leur production scientifique, elle est en baisse. Est-ce qu'ailleurs, ou est-ce qu'on ne sait pas, et qu'il n'y a pas une relève. Quand vous voyez cette progression, mais il faut la tenir compte du fait, par rapport au nombre de descriptions, par rapport aux doctorants, etc. Donc il n'y a pas, ce n'est pas uniforme. L'autre élément très très important, donc, c'est le classement donc, de l'Algérie. Nous sommes à la 56e place. Là, c'est CIMAGO, hein, c'est le classement CIMAGO, je viens de le tirer il n'y a pas longtemps. Et ça, si on voit, donc, par exemple, en Afrique, nous sommes à la 4e position. Par contre, un indicateur très très important, si on voit notre position en termes de citation, on descend à la 7e ou la 8e place. Je parle de mon expérience, je dis à mes étudiants, patientez encore 6 mois, patientez une année, faites une bonne publication, vous avez plus de chances d'avoir de meilleures citations que d'aller vendre votre travail au rabais dans une première revue qui accepte. Et là, on va revenir sur ces détails parce que c'est un paramètre important. Donc, tout cela, lorsqu'on parle production, nous sommes en train de perdre énormément en termes de visibilité à l'international. Le premier graphe que je montre, donc la collaboration internationale, vous connaissez la différence entre la coopération et la collaboration, hein? On dit collaboration scientifique, on dit coopération scientifique. La coopération, c'est lorsqu'on se partage un projet. On fait de la coopération sur un projet, ça veut dire j'ai 5 équipes, chaque équipe prend une partie et on coopère ensemble pour réaliser le grand projet. La collaboration, c'est des échanges de façon globale. Donc, au niveau des échanges, de façon globale, regardez en 1996, où on était avec les publications, on avait à peu près 65% des publications se faisaient avec l'international. Regardez la dégringolade par la suite. Bien sûr, il y a eu la décennie noire, mais ça n'explique pas que depuis la création de la DG, par exemple, depuis 2008, on n'ait pas eu une remontée. Je ne gère pas, vous voyez tous le chat. On ne s'explique pas pourquoi il n'y a pas cette remontée. On voit un peu plus bas, donc dans le graphe plus bas, 62% de la production algérienne est produite entre Algériens. Alors que lorsqu'on dit production scientifique, c'est coopération, c'est universalité, c'est science, c'est recherche, etc. Forcément, il faut qu'on soit en partenariat avec l'élite. Et sur les 38% restants, vous avez 21% avec la France. Conclusion au chiffre. Je ne sais pas sur qu'est-ce qu'il nous reste concernant les autres structures et les autres pays. Donc c'est un peu le graphe en bas à gauche. Bon, l'Arabie Saoudite, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens donc, qui ont, depuis les années 90, donc rejoint l'Arabie Saoudite, etc. Et United States, l'Espagne, donc l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Tous ces pays dans une petite proportion, les 1%, etc.
Mais l'handicap majeur, il est 62% algéro-algérienne et 21% avec la France. Alors, le graphe donc, en haut à gauche, donc, c'est tout simplement la production scientifique, comment elle est répartie par grand domaine. Là où on a le plus de production, c'est dans le domaine de l'engineering, des sciences de l'ingénieur. Et puis viennent le computer science, génie des procédés, informatique, mathématiques, sciences des matériaux, etc. Le grand regret que j'ai toujours mentionné, le grand regret, c'est la faiblesse de la recherche dans les sciences médicales. Je le dis et je le répète. L'acte médical, ce n'est pas de la recherche. Beaucoup de mes amis, beaucoup de nos collègues vous disent « Ah, je suis en train de faire la recherche. » Non, la recherche, c'est lorsque vous écrivez quelque chose, lorsque vous le publiez, lorsque vous le comprenez. L'acte médical, ce n'est pas de la recherche, c'est l'acte d'exercice. Et là, dans la production, dans les sciences médicales, nous sommes après le Malawi, nous sommes après... c'est vraiment une réalité que la communauté ne veut pas, je ne sais pas. Pourquoi ? Parce que, y compris, bon, lorsque j'étais collègue du domaine, j'ai eu le plaisir aussi de participer à la refonte, la rediscussion sur les sciences médicales, lorsqu'on a voulu introduire la partie initiation à la recherche en quatrième année, quelque chose qui s'appelait le DMS. Septième année pour lui faire l'initiation de la recherche, ce qu'un étudiant dans une université en sciences techniques peut le faire à partir de la licence. Alors, quelques graphes. Ce que vous voyez en vert, c'est les coopérations internes dans les 62% que je citais, sur la base de Scopus. Et en bleu, là, c'est le petit graphe, c'est sur le document Web of Science. Disons que les grands pôles qui se dessinent, si vous voyez au niveau du Web of Science, c'est l'extraordinaire visibilité de l'Université de Sydney. Je dis tout plus, hein. Donc là, c'est des données, hein. C'est là où il y a le plus gros réseau. Sinon, donc à droite, vous voyez, c'est Constantine et ses périphéries, parce que beaucoup d'universités ont été créées à partir de Constantine. Donc, on maintient donc la création de nouvelles universités, de nouvelles filières, etc. Il y a forme. Sinon, donc il y a le pôle, il y a également l'USCHB. Mais au niveau de Web of Science, donc vous voyez, c'est beaucoup plus ces grandes universités. Et l'université, les échanges se font essentiellement entre les universités du Nord. C'est très très rare. Regardez entre le Gourgla et Adra, ou Tindouf, ou Bchar, c'est pas normal. C'est pas normal. Je pense que une analyse plus fine, mais là, ce que je suis en train de vous dire, c'est tout simplement une cartographie. Alors ça, c'est la première partie pour situer un peu les capacités des ressources humaines, et puis les infrastructures et la situation de la recherche. Ce graphe, c'est uniquement pour faire un peu beau. C'est toujours la répartition de la production scientifique par domaine. Donc ce que vous voyez en bleu, c'est tout ce qui est engineering, hein, donc avec Electron Notes, Computer Science, E-Poise Transaction, en industrie électronique, etc. Et puis après, donc c'est tout ce qui est sciences, chimie, etc. Là, c'est uniquement par rapport au revenu, c'est pas important. Alors, on va commencer à parler de ce qui fait un peu mal. Alors, pour nous, puisqu'on parle coopération et la cible, c'est l'Union européenne, je vais vous montrer qu'elle essaie de mettre aussi des moyens. Ce premier graphe donne un aperçu de ce qui se fait à travers le H20 entre la communauté européenne et l'Afrique. Je m'excuse, peut-être qu'il n'est pas très clair, mais je suis... Bon, c'est acceptable. C'est acceptable. Alors, vous voyez les trois parties très importantes. Le premier, à gauche, c'est la participation par pays. La participation,
Vous avez le nombre de participants, l'Afrique du Sud, donc à peu près donc, 162 participants. Et puis après, il y a le Kenya, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte. Ça, c'est la participation au niveau des équipes, au niveau de projet. Regardez le deuxième graphe, il est très important. C'est la contribution de l'Union européenne dans le financement des projets. L'Afrique du Sud, donc, c'est à hauteur de 25 millions d'euros. Le Kenya, c'est à hauteur de 8 millions d'euros. La Tunisie, c'est à peu près 7 millions d'euros, etc. L'Algérie n'apparaît pas encore. Et je vais vous montrer la question de l'Algérie. Le troisième graphe, qui est très très important, c'est « the own contribution », ce que chaque pays met pour développer des programmes. Le meilleur exemple que vous connaissez, peut-être, le dernier des derniers, c'est Prima. Prima, l'Algérie, donc, elle a mis 20 millions d'euros. Ça, c'est la contribution du pays à une cagnotte. Et c'est là où je dis qu'il y a le rapport entre combien vous mettez, combien vous gagnez. L'Égypte, c'est 1 dollar, elle retire 18 dollars. D'accord. Bon, ça, c'est... Et puis, bien sûr, vous avez donc vous avez les domaines, donc, et je vais commenter beaucoup plus le graphe suivant, il y a l'Algérie. On revoit la même chose. Donc, la participation, mais cette fois-ci, c'est avec les pays de la région sud-méditerranéenne. Donc, il n'y a pas de Kenya, il n'y a pas de... Le Maroc, l'Égypte, le Liban, la Jordanie, l'Algérie, la Palestine et la Libye. Là, c'est en termes de projet de participation. Si on voit l'Algérie, donc on est à peu près donc à 8 équipes. Le deuxième, the AU contribution, et le troisième, regardez bien, the AU contribution, combien chaque pays met d'argent. Et puis par domaine, bon, on va s'intéresser à l'Algérie, donc l'Algérie c'est 600 000, à peu près 600 000 euros. En ce qui concerne dans quel domaine, c'est dans le domaine food. On va s'amuser à un petit exercice de comparaison. The AU contribution of Morocco and the AU contribution for Morocco. Le Maroc a mis peut-être, je ne sais pas, 100 000 euros dans deux domaines, donc tout ce qui est donc, dans l'environnement et dans sécurité alimentaire, etc. Il est dans les 3 millions d'euros à travers donc un ensemble de projets. L'Algérie, donc, on a mis 0,6 millions d'euros. What is the AU contribution? Bon, elle est à peu près de même grandeur, mais d'abord, c'est toujours dans tout ce qui est agroalimentaire. Mais on peut être ambitieux et regardez donc le cas donc de la Jordanie, les dernières statistiques données, la Jordanie pratiquement donc ils ont eu un projet où ils ont eu 15 millions d'euros. Là c'est la contribution européenne, c'est 1 million d'euros. Etc. Donc vous voyez que quand même l'Algérie essaie de mettre des fonds, mais qu'il n'y a pas une réaction. Comparativement donc à des pays, donc la Tunisie. La Tunisie, pour les gens qui ne le savent pas, la Tunisie elle est considérée comme pays européen dans le cadre du H20. C'est un pays à part entière, comme les pays européens. Ils ont négocié pour qu'ils soient venus. Donc c'est pour dresser un peu donc, la situation, le tableau, pour dire que nous avons beaucoup de retard, beaucoup de choses à faire. Mais dans quel domaine et comment on va se situer par rapport à notre classement en Afrique. Là, je disais, donc on est à la 4e position à peu près. Sans l'Égypte, avec donc des documents à peu près 42 000. Mais si vous voyez notre position, 4e position, nous sommes avec un H-index de 106. Mais si on fait le classement selon le H-index, vous savez, on descend facilement à la 8e position.
Enfin, je vous ai dit, donc c'est par rapport à un effort à faire au niveau, je ne doute pas de la qualité des papiers, mais je dis que il y a une absence de, comment dirais-je, c'est-à-dire on contraint tellement les étudiants à essayer d'avoir leur production et leurs papiers pour soutenir que il suffit qu'il y ait la première acceptation au CHAR, parce que jusqu'à présent, on n'accepte qu'un papier qui apparaît dans ce qu'on appelle la catégorie B, Scopus, etc., mais on ne tient pas compte du facteur d'impact. Alors, donc, on est quatrième position, donc cinquième position en Afrique si on compte l'Égypte, mais on est neuvième position en termes de citation. Quelques grands domaines, l'agriculture et biological science, donc huitième position, toujours la même chose. Chemical engineering, on serait dans la deuxième position. Donc tout ce qui est génie des procédés, c'est avec les sciences de l'ingénieur en général, computer science également, on est à la troisième position, avec une bonne production, donc on pourrait analyser ça et comparer à peut-être opposé. Comme je le dis, voici les faits, quelques conclusions pouvons-nous en tirer. Alors, j'ai mis tout simplement ici dans ce graphe notre logo du Web of Science, The Highly Cited Researchers, 2018. Donc, on est un chercheur les plus cités au Maghreb et dans le monde arabe. C'est les Algériens. Les plus cités, ça ne dit pas leur savoir-faire, mais leur compétence. Il n'y a pas de Marocains, il n'y a pas de mandat. Hein, donc, dans les plus cités, donc, vous pouvez le voir. Et la question que. Vous l'avez pas compris, madame ? Et la question qu'on se pose. Pourquoi alors, si nous avons les chercheurs les plus cités, pourquoi ils ne sont pas capables, pourquoi on ne les a pas amenés à réfléchir en termes de projets internationaux et en termes donc de capacité de mobilisation des fonds extérieurs? Vous savez, les projets européens, vous faites passer de leurs projets, vous avez votre financement et vous êtes le maître du financement. Après la communauté européenne, il faut savoir que même si vous financez, vous utilisez un fonds de la communauté européenne, le fonds, il appartient à la communauté européenne. Mais quand vous avez une conférence, on vous envoie une invitation et vous pisez sur le fonds. Vous achetez votre billet d'avion, vous prenez votre carrière, etc. C'est très, 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 très souple. Pourquoi, quels sont les efforts qu'on a fait pour mobiliser un peu ces ressources? Je parle highly cited de researchers, mais je n'ai pas besoin d'être highly cited pour m'engager dans certains programmes et certains projets. Donc, nous pensons, indépendamment des contextes de l'environnement, de l'administration, de la bureaucratie, etc., qui sont massacrants, qui sont tuants, mais je dis, on a appris à se battre, mais le chercheur qui a un financement, il a quand même une certaine liberté dans la gestion de ses fonds, et cette liberté, elle est garantie par qui? Elle est garantie non pas par les responsables des institutions, non pas par les recteurs, mais elle est garantie par les affaires étrangères. Là, j'ouvre une petite parenthèse. Il y a effectivement des projets qui sont montés par des équipes algériennes où, par exemple, le recteur refuse de signer. Vous allez parler avec le directeur de la coopération, je connais le recteur. Il appartient à un pays et le pays est représenté par les affaires étrangères. Quand j'ai le ministre des Affaires étrangères qui signe pour un projet H20, il ne faut pas qu'un recteur vous le canard parce que maintenant, avec le bled que je ne vais pas citer puisque c'est enregistré, etc. Donc, Matroche. Non, ça relève pas. Donc, des compétences de chef d'établissement, coopération internationale, ça relève des affaires étrangères. Quand les affaires étrangères vous disent, on a signé avec l'Afrique du Sud, il faut aller avec l'Afrique du Sud. Voilà. Donc, je disais que la principale remarque, c'est de dire comment faire, comment travailler ensemble
pour que les gens qui ont de réelles capacités puissent avoir accès à ces projets. Bien sûr, c'est l'objet donc de ma présentation. J'espère vous donner donc les mécanismes. Alors, comment élargir son réseau de recherche et gagner en visibilité avec les pays européens? Donc, je reste avec les pays européens. Alors, je vais vous parler donc de l'accord bilatéral Algérie-Union européenne que nous avons initié dès 2008-2009. Je vais parler de H2020. Je vais parler de ce qui va venir après le H2020 en 2021, c'est Horizon Europe. Et bien sûr, je vais vous parler donc d'un programme européen qui finance la mobilité et qui fera l'objet donc de ma présentation. Alors, le premier élément, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, les paramètres principaux de la mobilité, c'est autour de ces quatre concepts qui sont utilisés dans les projets internationaux, the teaming, the twinning, the co-publications, the supervision. Alors, le premier, c'est le teaming, team, équipe. Donc, la création d'équipes. Tout se fait à travers les équipes, elle ne se fait pas à travers les individus, à travers les équipes. Ça veut dire qu'il faut intégrer des équipes qui existent. Le deuxième, c'est le jumelage. Le jumelage, il y a aujourd'hui des conventions, on va parler après des financements, etc., qui méritent une attention particulière. Mais si les 1200 conventions qui ont été signées par Dieu, ben devant les journalistes, on signe une convention, on la signe. Non, des conventions où il y a réellement derrière des capacités scientifiques qu'on peut mobiliser. Les co-publications, j'en ai parlé, et puis student supervision, donc tout ce qui est co-encadrement, co-tutelle de thèse. Alors en 2008, nous avons engagé la coopération, les discussions avec l'Union européenne pour élargir le traité de partenariat Algérie-Union européenne au domaine de la science et la technologie. L'Union européenne a un projet, une convention cadre, comme les universités au nom. Voilà la convention type, voilà, on change le nom et le prénom, etc. Donc il y avait une convention type avec l'Union européenne, on l'a refusée. On l'a refusée, pourquoi? Parce que l'Algérie, quand même, elle a des spécificités. L'Algérie, elle a donc beaucoup d'échanges avec l'Union européenne. Et donc il faut approfondir ces discussions. Donc, de 2008, donc, il y a eu des négociations, donc, principalement en tant que professeur oral, M. Saïdani, j'ai eu le plaisir de participer également. Et en 2012, l'Union européenne donc, a ratifié donc, le traité de coopération bilatérale. Il y a des généralités, mais ici je vous ai pris les quelques points importants. Le premier point, c'est la visite et les échanges de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens, y compris à des fins de formation. Vous savez, c'est très important lorsqu'on dit à des fins de formation. C'est essentiellement le personnel de soutien à la recherche. Soutien à la valorisation des résultats de la recherche et au développement, d'entreprises innovantes, c'est un concept un peu fort. Mais... assistance à la gestion de la recherche scientifique et mise en place d'un système d'information et de recherche. Je regrette, je pense que c'est vrai, mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas un système d'information sur tout ce qu'il y a trait aux infrastructures de recherche, aux capacités de recherche, aux thèmes de recherche, aux équipes de recherche, on ne sait pas. On ne sait pas. On discute avec Naftal, elle vient avec ses problématiques, nous sommes incapables d'interroger une base de données pour dire oui, on a des capacités dans ce domaine, on a des capacités. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs initiatives éparses. Et c'est pour ça que nous, on maintient que celui qui détient l'information détient le pouvoir, détient le savoir aussi, et donc il y a nécessité de maintenir l'idée d'aller vers un système d'information et de recherche consistant et que, donc de maintenir la coopération. L'examen des possibilités de coopération en matière donc, de mise en place des pépinières, incubateurs et start-up. Promotion de la coopération par le biais des projets de recherche et développement, je vais en revenir parce que c'est le point E et le point P pratiquement sont très très importants, et également l'accès aux infrastructures de recherche.
l'accès aux infrastructures de recherche, je vous donne un exemple très très simple, c'est le projet donc, qui a été pris par le CNRPH, Rasmus, vous connaissez, donc, le site millénaire qui a de, on a estimé donc, là, que l'Algérie, en Algérie, c'est le deuxième pôle de l'humanité après celui donc, de l'Éthiopie. Et vous savez que jusqu'à présent, il y a une controverse pour dire que les informations donc, ne sont pas fiables, etc. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas d'infrastructure de recherche, et les infrastructures de recherche qu'on a utilisées, c'était des coopérations, donc vous faites chez nous les analyses, et on fait la coproduction scientifique ensemble, etc. Mais ce qu'on voulait, c'est pouvoir accéder aux grandes infrastructures, surtout là, c'est pour le carbone 14, etc., où ça coûte énormément cher, on n'a pas besoin de construire comme ça des infrastructures, mais de pouvoir accéder en exploitant donc, ces environnements à travers donc, des ingénieurs que nous aurons formés et d'avoir la confidentialité donc, des résultats. Alors, une petite parenthèse. Alors, c'est 2012 ratifié par l'Union européenne. 2013, l'accord de partenariat a été ratifié par la partie algérienne. 2014, il a été publié au journal officiel. Et puis, on a eu 2015, 2016, pourquoi on n'a pas lancé ce projet ? 2017, 2018, pourquoi on n'a pas lancé ce projet ? Et c'est là où j'ai dit que l'Union européenne, en général, mais vous pouvez le constater, elle alloue des budgets de coopération, des budgets d'aide à des pays. Dans l'Algérie, nous, c'était dans les 140 millions d'euros, etc. Et que c'est l'Algérie qui a, donc, c'est à elle que revient le choix de savoir où placer cet argent. 2014, alors que l'accord était signé, nous, on a décidé de mettre de l'argent sur la recherche, dans le domaine de la recherche. 2015, c'était la même chose. 2016, c'était la même chose. 2017, c'est dans une des photos, dans une réunion, on a tapé un peu fort pour dire, c'était avec monsieur le ministre à Bruxelles, pour dire, mais pourquoi on n'arrive pas à le mettre en application? Pourquoi on n'arrive pas à dégager des financements sur la base de ce que l'Union européenne attribue? Et là, c'est les priorités. La priorité, je n'ai rien contre, mais je dis que la recherche est aussi prioritaire. La justice, il faut réformer la justice, il faut réformer la PME-PMI, il faut des programmes pour la jeunesse, etc. Mais on n'a rien contre, on n'a rien contre. Mais la recherche, elle aurait pu bénéficier au moins d'une partie. Donc c'était un peu notre cheval de bataille. Et avec une argumentation très, très, très claire et peut-être, je dirais, un peu forte aussi pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Sachant qu'aujourd'hui, la responsabilité est à notre niveau. Et c'est là que cette année, donc, on a lancé un projet, donc, on a eu un financement de 5 millions d'euros sur un projet qu'on appelait Papyri, donc un projet donc, de mobilité pour les centres de recherche, pour, bien sûr, ça a été fait en collaboration avec les centres de recherche qui ont exprimé leurs besoins, les universités qui ont exprimé leurs besoins, et nous espérons donc que Papyri va démarrer en 2020 avec un financement de 5 millions d'euros pour la mobilité donc, du personnel de soutien à la recherche, mais aussi renforcement des compétences dans la gestion des universités, et ainsi de suite. Voilà, je ferme la parenthèse du projet Papyri. Mais pour dire que si on n'est pas arrivé à lancer ce projet, c'est parce qu'il y a un problème de financement. Et le problème de financement, parce que bon, même quand l'Union européenne donne, il y a des gens qui prennent la décision pour dire qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui n'est pas, et la recherche n'est pas prioritaire. Alors, je vous ai donné donc un peu la situation
de l'Algérie dans le H2020, c'est les premiers graphes que j'ai donnés. Donc, disons, pour tout, en tout et pour tout, on a eu quelques 600 000 euros pratiquement dans, à travers Erasmus Mundus, donc pour la mobilité des étudiants. Mais pour les projets de recherche, on doit en habiller à peu près dans les 200 000 euros. Hors climat. Et aujourd'hui, la cible, c'est le prochain donc, projet européen, qui est Horizon Europe ou le FPLF. Alors, à travers trois slides, je vais présenter donc, les grandes idées. On a participé aussi avec notre modeste expérience à donner des avis sur certains programmes. Je vais revenir. Alors, trois axes principaux. Donc, soutenir la création et la diffusion de la connaissance. C'est toujours donc, la connaissance, avancer dans la connaissance universelle. Renforcer pour la communauté européenne la part de la recherche et l'innovation pour le soutien des politiques de l'UE. Et favoriser toutes les formes d'innovation avec le développement de produits sur le marché. Je me plais à rappeler ce que je comprends par innovation. C'est quoi l'innovation? L'innovation, je parle d'innovation technologique, je ne parle pas d'innovation organisationnelle. L'innovation, c'est comment, à partir d'une idée, on peut la traduire par un produit, par un prototype, etc. Et que ce produit est mis sur le marché et qu'il est commercialisé. Donc l'innovation, pour beaucoup, l'innovation, c'est le marché. Il ne faut pas confondre ça avec un brevet, quelqu'un a une idée géniale. Non, l'idée géniale ne fait pas la richesse. Donc l'innovation, c'est une idée qu'on a développée, qu'on a expérimentée, on a fait le prototype, on a vendu et les commercialisé. Ce n'est pas commercialisé, ça peut être une invention, ça peut être une créativité, mais ce n'est pas une innovation. Donc, la communauté européenne, aujourd'hui, un problème avec la Chine, avec les États-Unis, c'est d'aller donc, vers l'innovation. Les trois piliers fondamentaux, bien sûr, l'open science, donc tout ce qui est sciences ouvertes, à travers les financements donc, des actions donc, Marie Curie, hein, ça marche bien, la mobilité, les infrastructures et donc il y a une structure du Conseil européen de la recherche pour justement le développement de la science. Le pilier 2, donc, c'est tout ce qui a trait donc, aux grands défis, hein, aux grands défis donc, et la compétitivité industrielle touchant les domaines exclusifs de la santé, de la sécurité de la société, donc tout ce qui est digital, la digitalisation, la numérisation, l'intelligence artificielle, donc le climat et les changements climatiques, l'énergie, la mobilité et bien sûr la sécurité alimentaire. Ça, donc, c'est le pilier 2, c'est-à-dire c'est là où il va y avoir aussi beaucoup d'argent. Et le troisième pilier européen, c'est Open Innovation, c'est pour certaines structures européennes, mais qui sont ouvertes à la communauté. Donc, c'est le Conseil de l'innovation européen. Donc, c'est une structure qui finance des projets, etc. L'écosystème d'innovation européen. Et l'Institut donc, d'innovation et de technologie européenne. Ça, c'est des structures européennes donc, qui accompagnent donc, tout ce qui est projet. Et la finalité, c'est comment renforcer l'espace de recherche européen. Nous sommes des pays du voisinage. Mais bien sûr, l'Europe, c'est de l'argent de l'Europe, c'est fait pour les Européens. Alors, deux éléments, partager l'excellence et donc réformer, améliorer le système de recherche et d'innovation européen. Il n'y a pas à proprement parler de disparité dans le choix des équipes et le partenariat. Hein? A priori, donc, des études ont été faites. C'est les meilleures idées qui passent et c'est les meilleures équipes qui ont des chances d'aboutir. Réellement, on va voir donc, dans le système d'évaluation Ticara, c'est fait en sorte qu'il faut favoriser l'excellence. Je le dis, contre les
des préjugés qu'elle non, parce qu'il y a une équipe algérienne ou là les Algériens là. Soumettez et lorsqu'on vous rejette, on vous justifie et allez vers l'amélioration, allez vers l'évolution. Donc, a priori, donc, il y a une certitude, c'est fait par des experts, qu'il n'y a pas de disparité régionale ou le sexe ou la détruite, que vraiment, c'est l'idée générale, d'où est-ce qu'elle vient, c'est elle qui a le plus de chances de chasser. Alors, la deuxième nouveauté, c'est que, Horizon Europe, qui passe de 80 milliards, de 88 milliards à peu près à 100 milliards d'euros pour le financement. Et la répartition, donc en gros, c'est tout ce qui est open science, donc on a vu, c'est 25 millions. Global Challenge et donc tout ce qui est compétitivité industrielle avec 52 millions d'euros. Le renforcement de l'espace de recherche européen, 13 millions d'euros, et puis il y a un petit projet là, Euratom, c'est un projet exclusivement destiné aux pays européens concernant le nucléaire. Donc voilà comment ils sont arrivés à répartir ces gros budgets. Et les points les plus importants, c'est donc partager l'excellence. On a dit que les outils les plus importants, c'est tout ce qui est création d'équipe, teaming, tuning, le jumelage, l'échelle donc de l'espace européen de recherche, donc comme les structures qu'on a citées, et puis il y a le cost sur lequel je vais revenir, en particulier le projet européen pour la mobilité des chercheurs. Et que toutes ces gymnastiques, c'est un peu pour renforcer donc l'écosystème d'innovation et de recherche européen. Alors premièrement, c'est un système qui est basé sur l'évidence, qui est prospectif, avec des outils et un environnement de soutien, donc ce qui peut faciliter le développement de politique, tout ce qui peut favoriser aussi l'impact scientifique et puis donc une partie de l'implémentation des programmes, sachant qu'il privilégie des éléments qu'on va voir, la coopération internationale, avoir des partenaires de plusieurs pays, l'éthique, bien sûr, surtout dans certains domaines, les sciences du vivant, etc. L'égalité du genre, c'est un paramètre important. La science pour la société. Et puis, le développement de tout ce qui est lien, tout ce qui est compétences dans le domaine donc, de l'éducation. Et l'instrument le plus utilisé, ce n'est pas le PhD, mais c'est le master. C'est le master, je pense que c'est parce qu'il y a une population beaucoup plus importante. Et puis le master, c'est une durée très limitée. Donc, à travers le master, on peut déjà identifier la population, la créativité, leur créativité, et ainsi de suite. Alors, bon, je ne vais pas retarder. Bon, ça, c'est uniquement pour partager avec vous donc, le calendrier du FP9, pour dire tout simplement donc, que c'est en discussion au niveau donc, de la communauté européenne et qu'il prévoit de lancer le programme en 2021. L'autre élément fondamental, et vous verrez, c'est pour ça que j'insiste énormément, je pense que dans beaucoup de cas, je dirais même dans 90% des cas, quand l'appel à projet est publié, les équipes sont déjà constituées. C'est un paradoxe. Mais de l'expérience, la petite expérience qu'on a dans les échanges, l'opportunité de travailler avec des experts, d'être en amitié avec des experts, mais aussi l'expérience, je peux vous parler de certains projets, dans 90% des cas, lorsque l'appel à projet est publié, ceux qui ont défini le programme, les axes de recherche, etc., ils ont fait leur équipe. Je vous l'assure. Personnellement, j'ai commencé mes projets européens déjà en 1986, mais à l'époque c'était Esprit. European Scientific Project and Research in Information Technology. Et puis là, bon, on est dans des projets. Quand le projet, là en ce moment, par exemple, la semaine prochaine, il y a une réunion en Afrique du Sud dans le cadre du projet européen Afrique, Union européenne,
sur les énergies renouvelables, on va finaliser les équipes, on va finaliser... Bon, j'ai eu la chance de mettre le CDR, le Centre de Recherche des Énergies Renouvelables, dans les équipes, ce qui permettra donc la présence de l'Algérie. Mais je dis, les pays qui ne sont pas... Bon, ce n'est pas qu'ils ne vont pas rejoindre, ils peuvent rejoindre, mais je dis 90%, donc les jeux sont faits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut travailler en amont. Ça veut dire que lorsque je parle des énergies renouvelables, moi je suis beaucoup plus dans le monde de l'informatique, déjà il y a les échanges, il y a des gens qui sont identifiés par leur travail, on les a appelés pour donner un avis, etc. Et c'est comme ça que les équipes se créent et se créent à l'avance. Donc si demain on veut aller dans le domaine de la santé, les préoccupations européennes sont connues, les domaines donc elles sont connues, c'est la suite un peu du H20, tout ce qui est donc mobilité, tout ce qui est prise en charge des personnes âgées, et ainsi de suite, bon, c'est un peu leur préoccupation. Je veux dire, il faut être déjà dans des équipes, mais je vais revenir avec un peu plus de détails. Mais c'est important de savoir que si aujourd'hui, peut-être on n'est pas présent dans beaucoup de projets européens, il y a quand même des gens qui ont essayé. Je vois une petite parenthèse. Le taux de succès des soumissions aux projets européens est de 16%. Ça veut dire sur 100 projets soumis à la communauté européenne, il y a 16 qui réussissent. Donc, la petite expérience des Algériens, le taux de réussite, il est de 8%. Donc, 50% moins. Sur les peu de projets qui ont été reçus. Voilà. Voilà donc, je vous ai présenté le projet européen, les perspectives. Et ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'étudier le passé et de nous plaindre, mais de voir comment on peut s'organiser pour les actions à venir. Et là, je vais prendre le cas de Coste. Le cas de cause que je vais détailler par la suite, mais j'ai un premier indicateur de cause. Cause, donc on verra, c'est pour la mobilité des chercheurs, c'est pour la création d'équipes de recherche. Je vous ai dit que la moyenne de succès des projets européens H20 était de 16%. Pour les projets qui émanent de cause, elle est de 80%. Les équipes, c'est-à-dire qui travaillent dans des projets COST et qui soumettent des projets européens, le taux de succès était de 80%. 80%, vous êtes sûr de faire passer votre projet. Et c'est pour ça que pour nous, c'est un instrument important et donc on va le détailler d'ici à des questions. Donc, bon, avant d'aller sur COST, est-ce qu'il y a des questions? Alors, on continue. COST, c'est d'abord un projet pour faciliter donc, l'intégration des pays du bloc des pays de l'Est, on va dire crûment. Et aujourd'hui, donc, pour le COST, 45 ans après, donc, on a 38 pays membres. Alors, c'est des pays européens plus Israël. Plus Israël. Comme j'aime bien expliquer certaines choses que je connais, ou j'ai eu la chance de connaître, quelle est notre position par rapport, scientifique je veux dire, technologique, par rapport à Israël? Comment c'est géré au niveau de l'affaire étrangère? Là, on utilise un élément très très simple. Si un projet, dans le COST, qu'on va appeler une action, est pilotée par Israël, je vais être le chef. Si demain je pars dans une réunion et que la réunion elle est présidée par quelqu'un d'Israël, Manhdash, c'est tout. Il n'est pas dit que parce qu'il y a Israël, qu'il ne faut pas monter les projets. Et c'est là où j'ouvre une petite parenthèse. Quand j'ai dit certains recteurs, ils ont vu la liste qu'est Israël, je compte.
vous êtes un chef d'établissement, vous n'êtes pas de la coopération, vous n'êtes pas un président, vous n'êtes pas un ministre des Affaires étrangères. Donc je veux dire que quand il y a des doutes, il faut revenir donc aux sources d'information, les sources d'information, j'ai dit le H20, c'est signé par les Affaires étrangères, donc on y va. Alors, les pays européens plus Israël. Alors, trois priorités dans COST. Promouvoir et diffuser l'excellence, favoriser la recherche scientifique pour une science de rupture et dynamiser les carrières des jeunes chercheurs. Le terme jeune chercheur revient très souvent. Et pourquoi je dis cela? J'anticipe un peu, parce que certains, lorsqu'on va parler de COST, certaines équipes, il y a des gens qui me disent oui, mais nous, pour intégrer l'équipe. Pour intégrer ou Manafou, je ne connais pas. Moi, je suis en train de dire, premièrement, c'est une opportunité pour les doctorants et pour les masterants. Un masterant, au niveau de COST, dynamiser les carrières des jeunes chercheurs, ça veut dire un étudiant. On va voir après comment il va construire son profil. Un étudiant peut solliciter, par exemple, une bourse de mobilité. On ne va pas lui demander où c'est la production scientifique derrière. Non, tu ne lui demandes pas parce que c'est pas une. On ne considère pas l'étudiant au même niveau qu'un senior. Un senior, vous allez demander le financement donc, d'une mission, où je compte faire, où je dette, montrez-nous. C'est le meilleur étudiant, lui demande pas ça. Donc, pour dire que la première des populations qu'on doit encourager, c'est les jeunes chercheurs. Alors, COST, c'est un programme de mise en réseau des communautés de recherche et d'innovation. Donc, l'objectif, c'est la mise en réseau, et c'est à travers la mise en réseau que tout dépend sans doute. Renforcer la recherche scientifique et technologique par le soutien à la coopération par des activités de réseautage, donc équipe, réseau. C'est un programme de financement des réseaux thématiques de recherche et d'innovation. Alors, un programme COST, il utilise un instrument qu'on va appeler l'action. L'action COST, c'est une boîte à outils où il y a un peu de tout. Alors, il permet de fédérer une ou plusieurs communautés de recherche et d'innovation autour d'une thématique scientifique. Chaque action COST inclut en particulier des activités à destination des jeunes chercheurs. Alors, pour que ce soit très bien compris, COST ne finance pas d'activités de recherche. Donc, il n'y a pas d'activités de recherche, il n'y a pas de financement de laboratoire, il n'y a pas, mais seulement les activités de réseautage. Entre autres, on verra les conférences, les colloques, les visites scientifiques, mais aussi les écoles, les workshops, etc. On va voir ça en détail. Le programme est ouvert à toutes les disciplines selon un processus entièrement bottom-up, sans thématique prédéfinie par le programme. Ça veut dire que il y a une idée, je veux remonter un programme. Premièrement, ce n'est pas pour répondre à un appel, mais c'est une idée que moi j'ai et il y a des conditions qu'on va prendre. Donc ça vient en général de la base. Et ça ne répond pas à un programme. Donc on va voir certaines actions. Je suis intéressé par les problèmes de sanitation des eaux. Si ce n'est pas traité, je peux proposer, mais sous certaines conditions, on peut voir la construction d'équipes. Un autre élément très très important et qui nous manque, c'est la recherche interdisciplinaire. Vous savez, en Algérie, on ne fait pas de la recherche multidisciplinaire ni interdisciplinaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas de réseau, on ne fait pas de je ne sais pas, mais on trouve l'information. Bon, il y a des exceptions, bien sûr. On trouve des physiciens autour de leur physique, des chimistes autour de leur chimie, les informaticiens, les mathématiciens, etc. Mais c'est très rare. Alors que toutes les actions, etc., c'est d'abord l'encouragement aux actions donc interdisciplinaires. Et ce graphique montre un peu les actions qui sont financées par grand domaine et les interrelations, par exemple Biological Sciences, vous voyez, c'est rattaché avec les sciences de la Terre et de l'environnement, la chimie, la physique, mais ça peut être aussi avec l'agriculture et la biotechnologie, ainsi de suite. Ce graphe donc renseigne un peu, et ça c'est la cartographie des actions passé depuis 40 ans, comment elles sont structurées.
Alors, j'ai dit, le principal instrument, c'est ce qu'on va appeler l'action. Alors, toutes ces actions financées par COS présentent une structure similaire et mettent en œuvre les mêmes activités de mise en réseau. Donc, toutes les actions sont identiques. Elles utilisent la même boîte à outils. Ces actions sont gérées par un comité de gestion, un management committee, qui est constitué des représentants des pays qui sont concernés par une action donnée. Bien sûr, je vais donner des exemples. À chaque action correspond donc un comité de management qui est constitué des représentants nationaux nommés par les pays qui souhaitent participer à l'action. Le management comité pilote l'action et coordonne les activités menées. Ça veut dire que le comité de management, il reçoit son budget, c'est à lui de répartir ce budget par pays ou par activité. On va organiser des conférences, on va organiser des workshops, on va organiser des trainings, etc. Chaque pays membre de France peut nommer jusqu'à 3 représentants titulaires et 3 suppléants par action. Il se réunit généralement 2 fois par an. Il est généralement assisté par un groupe d'experts où il y a un président, un vice-président et des responsables. Je vais donner donc. Alors, l'action en cause nécessite, premièrement, donc le réseautage. Et on passe par un mémorandum d'entente, Memorandum of Understanding, qui est signé. L'action, elle est pour 4 ans en général. Le minimum, c'est 7 pays. Pour chaque action, le minimum, c'est 7 pays. Ça veut dire que lorsqu'on veut proposer une action, c'est le minimum 7 pays. Je vais rentrer sur le détail. Donc, il y a la partie donc coordination de la recherche et bien sûr renforcement des capacités. Et en moyenne, chaque action elle a un budget de 500 000 euros. Alors, quelles sont les activités? Alors, les activités, c'est d'abord les réunions du management committee, des groupes de travail, des missions scientifiques, short-term scientific missions. Mission échange de chercheurs au sein de l'action. Au sein de l'action, on est toujours dans l'action. Les écoles de formation, la participation à des conférences internationales, mais aussi la diffusion, la publication de documents, de brochures, à travers le site internet, etc. Les avantages offerts par chaque action donc scientifique, donc pour la carrière et puis le réseautage. Voilà, par exemple, pour le financement des actions 2018. Alors, vous voyez qu'il y a 291 actions qui sont en cours. Je donnerai des exemples. Et puis, tout ce que je vous dis, ça veut dire que l'après-midi, vous pouvez mettre en pratique ce que je suis en train de vous dire. Hein. C'est pas philosophique, c'est pas... Alors, il y a donc eu 213 des actions de formation. Le budget moyen de chaque action, il est de 134 500 euros. J'ai dit que le budget en général, c'est 500 000 euros. Les missions à court terme, c'est de 1457. Missions à court terme, c'est quoi? C'est les financements donc, de conférences, de réunions, et ainsi de suite. Le nombre de chercheurs qui sont impliqués donc, dans les actions 98, il y a 45 000 chercheurs. Et le budget, donc, jusqu'à maintenant, utilisé est de 300 millions d'euros. Voilà. Donc, avec ça, donc, ça vous donne une idée, mais maintenant on peut voir les actions qui sont courantes, comment je peux rentrer dans une action et qu'est-ce que je peux faire. Alors pourquoi on présente, pourquoi je suis en train de vous présenter cela? Vous vous souvenez quand j'ai commencé mon programme, je revérifie juste la date. Bon, je ne pensais pas aller aussi loin. Oui, c'était le 3 avril. Hein? Donc, tout simplement, donc, le 3 avril, on a reçu donc, une invitation pour participer à COST, officiellement, et que maintenant, COST
offrent les mêmes avantages à ce qu'ils appellent les pays du voisinage. On a vu au début, c'était 38 pays européens. Aujourd'hui, donc, on a ajouté les pays du voisinage, ce que vous voyez en bleu, c'est-à-dire y compris la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine, etc. Et puis l'Afrique du Nord, la Jordanie, etc. Donc, c'est depuis le 3 avril. Et là, c'est la photo donc, de réunion donc, du groupe des pays du voisinage. Je n'ai pas changé de lunettes. Alors, on va voir maintenant les éléments qui sont très très importants. On peut réfléchir à la soumission d'une action. Parce que comment je vais rentrer dans COST, c'est à travers l'action. L'action, donc il y a une soumission d'action. Je rappelle à mes collègues que tous mes transparents sont publics et ils sont disponibles sur le site du CRASC. Alors, et vous allez voir que c'est aussi c'est un peu curieux et c'est intéressant. La soumission est effectuée en une seule étape sur le portail en ligne e-COST. Quand je dis e-COST, premièrement, pour rentrer, ça veut dire qu'il vous faut au moins un identifiant. On va revenir sur ça. Par le porteur principal du projet. Le porteur principal va ensuite identifier l'ensemble des partenaires porteurs secondaires liés à cette proposition. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que chaque action elle est soumise au moins par 7 partenaires. Ça veut dire que, premièrement, si j'ai l'idée générale qui peut me permettre d'obtenir un financement d'une action, il faut que déjà je m'inquiète pour trouver les 6 autres pays européens. Nous sommes là, on est européen, mais elles me prennent la cheval, les pays du voisinage. Donc, d'abord, 7 pays européens, le contre d'idée, plus 6 autres. La soumission inclut en particulier un document intitulé donc, Technical Annex, qui est en ligne. Et c'est un projet qui se décrit en un maximum de 15 pages. Ce document doit être rédigé en anglais de manière anonyme. C'est très important, ça veut dire, certaines personnes me disent, comment on va soumettre un papier qui est anonyme. Mais oui, le papier anonyme, ben, ni le nom, ni l'établissement, ni un élément d'information qui peut laisser supposer que ce papier vient de X ou de Y. Ça ne vous empêche pas que je vais, dans l'action, je vais traiter le problème du CRASC. Je veux dire, on peut dire que ce problème concerne la salinisation des ondes, je ne sais pas, de la zone. Le la ou la hasard, on sait que c'est en Algérie, mais la soumission, elle doit être comme ça, donc selon ce. Alors, le critère d'éligibilité est lié au nombre de pays représentés parmi l'ensemble des partenaires identifiés, donc au moins 7 pays doivent être représentés. Donc, toujours la moitié des pays dits de l'inclusion, les pays de l'Est, bon, ça, c'est, si on regardait ça, c'est cette appellation. Autre chose, donc les slides que je suis en train d'essayer de vous présenter, c'est des slides qui venaient avant l'inclusion des pays du voisinage. Hein, donc. À noter qu'il n'y a pas de budget prévisionnel, oui, tout ça, c'est l'idée. Maintenant, comment c'est financé, c'est pas pour les projets européens ou d'autres projets qu'on a l'habitude de faire, que maintenant la partie financière, j'aurais besoin de quoi ça, non, tout ça. Lorsqu'ils financent, ils financent donc le projet globalement, ils financent l'action. Vous n'avez pas à dire qu'il nous faut. Après, c'est au comité quand il va se réunir, il sait qu'il y a à peu près 500 000 euros par action, ils vont décider s'ils vont organiser des conférences, des trainings, de la mobilité, ainsi de suite. À noter qu'il n'y a pas de budget prévisionnel préparé pour une proposition COST, ça fait gagner aussi des choses, parce que lorsque vous allez faire ça, il faut être en cohérence, et souvent c'est pas. Souvent, c'est un facteur de blocage pour les gens qui ne savent pas faire la question financière. Et on vous dit tout simplement votre projet farfelu, vraiment sur la proposition financière, il est rejeté, donc on rejette votre projet-là, on n'est pas dans ce cas de figure. En vue de soumettre une proposition de documents indispensables, le guide donc, du déposant, qui précise toutes les procédures de soumission, et donc une forme donc, de mémorandum donc, qui explique un peu les règles, comment va s'effectuer donc, cette procédure. Alors, on revient sur 3 principaux éléments. Le soumissionnaire principal agit en tant que représentant et point de contact pour l'association COST. Oui, je ne l'ai pas dit, mais COST, c'est d'abord une association. C'est bien son siège, c'est une association. C'est une association européenne qui est financée par le projet européen. Mais fondamentalement, elle est née autour donc, d'une association, jusqu'à maintenant, c'est l'association.
Alors, ce missionnaire principal agit en tant que représentant et porte-contact de l'association Coste. Le proposant principal invite le proposant secondaire à rejoindre la proposition via l'IFOST. Donc, j'ai dit principal, je vais revenir sur ça. Et puis après, on cherche les proposants secondaires. Parce qu'il faut toujours qu'on soit sept. Et bien sûr, le profil IFOST est nécessaire. Donc, il faut définir votre profil et l'âge, c'est important. Alors, premier, donc j'ai dit, il y a quelqu'un, avant c'était le partenariat européen, donc c'est élargi. Donc il y a l'idée géniale. L'idée géniale qui vient du proposant principal, ou bien le proposant principal, je veux dire par là, je peux avoir une idée, puis voir, discuter avec quelqu'un qui va faire la proposition. Donc en tout cas, il y a le proposant principal et les proposants secondaires. C'est-à-dire, une fois que j'ai l'idée, je commence à travailler sur le document, mais quand il va être soumis, il faut qu'il soit soumis au moins par 7 pays. En termes simples, si demain l'idée géniale vient d'un Algérien, il faut qu'il y ait au moins 8 partenaires. Ça veut dire que je vais travailler avec un Européen parce que c'est lui qui va soumettre l'idée. Bien sûr, on a beaucoup discuté de cet aspect-là, mais on vous dit, n'oubliez pas, en général, pour une action, vous allez trouver 20-30 pays. C'est-à-dire, après, l'essentiel, c'est que c'est un travail collégial dans la gestion du fonds, etc. Vous pouvez avoir quelqu'un qui peut avoir l'idée, et puis d'autres partenaires qui sont moins importants, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est un projet européen qui finance d'abord la communauté européenne. Et puis, bien sûr, les autres partenaires COST, plus donc maintenant les pays que je viens de citer, les pays de voisinage. Voilà. Donc, ce qu'on va retenir, c'est qu'il y a un mail proposant qui est européen. Et s'il n'est pas européen, il faut trouver un mail proposant européen. Mais quand vous commencez à travailler en équipe, vous ne verrez plus, la distinction entre le Marocain, l'Ukrainien et on va voir bien sûr à travers quelques minutes. L'évaluation, c'est bien de connaître l'évaluation. Alors la première évaluation donc, de toutes les actions COST, elle est faite par 3 experts indépendants, au minimum, proposés par le porteur du projet et ou par COST. Donc je peux soumettre l'idée et je connais les gens, donc les experts. On verra aussi parce que c'est une opportunité aussi pour nos scientifiques d'être experts. Procédure de reviewing de ces évaluations par un review panel composé d'experts nationaux nommés par les différents pays membres de COST. Le classement final des projets par le comité scientifique de COST qui est composé d'un expert scientifique par pays membres de COST. Donc nous, par contre, là, on va rejoindre le comité scientifique COST. Enfin, la liste des projets financés est validée par l'Assemblée Générale. Donc, vous pouvez avoir 150 projets. L'Union Européenne, COST, va décider de financer les 30 premiers projets. Donc, il y a un classement et puis les autres, donc, c'est pas à considérer. Alors, la stratégie de mise en œuvre est guidée par l'action, je l'ai dit. Alors, on va se rapprocher un peu du cas pratique que je vais annoncer. Premièrement, il faut sélectionner les partenaires les plus pertinents par rapport à une idée ou par rapport à une action. Quand ? C'est à tout moment. Il y a des cycles tous les 8 mois. Donc là, par exemple, cette semaine, c'est les actions retenues pour 2018 qui viennent d'être publiées. Et en même temps, il y a un appel à candidature pour les actions pour septembre 2019. Donc, on peut soumettre à tout moment. À quel niveau d'engagement? Donc, participation unique. Ça, c'est très important. Ça veut dire que je peux, au niveau d'une action, demander à participer à des conférenciers invités aux réunions d'action aux écoles de formation. Ça est une chose. Sinon, si je veux une participation continue à l'ensemble du programme COST, il faut que mon institution soit agréée, soit partenaire avec COST.
en termes plus simples, un étudiant ou un enseignant, demain, il peut aller s'inscrire pour une participation unique. Je vais aller à une conférence. Son dossier va être étudié. Ça, c'est une chose. Maintenant, si l'institution veut être partenaire dans COST sur la pérennité, il faut qu'elle discute avec l'association COST. Il y a des documents, il y a des mémorandums d'entente. Pour maintenant, je n'ai pas fini. Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Il y a des mémorandums d'entente. Donc, c'est là où on va discuter les clauses. Il peut y avoir des projets. Bon, mes collègues du CRAS, je leur ai parlé d'un projet H20, donc qui a eu du succès chez nous, et pour l'Union européenne, c'est l'extrémisme religieux. Ils appellent ça autrement, hein, ils appellent ça donc en termes beaucoup plus de violence, etc. Mais je veux dire par là, c'est l'Union européenne qui finance des projets. Si vous voulez être partenaire pour une action, donc pour bénéficier d'un stage, l'étudiant peut le demander, l'ancien peut le demander. Mais maintenant, si on veut rentrer dans la politique, donc il faut faire le mémorandum d'entente, bien, on va travailler sur 15 ans sur un partenariat. Parce que c'est ouvert également aux établissements, je veux dire aux universités, aux centres de recherche, etc. Pour être partenaire, non pas pour une action spécifique, mais un partenariat en caractère. Voilà, je vous ai pris un exemple. Eh bien, c'est un résultat qui vient de, que je viens de recevoir, parce que je suis point focal en tant que scientifique. Alors, là, c'est le résultat qui vient d'être publié le 4 juin. Donc, le 4 juin, le comité senior donc, a approuvé les 40 actions. Je vais prendre un exemple. Et la date de soumission, c'était le 28 novembre 2018. Donc, depuis le 28 novembre 2018, c'était le deadline. Je vous ai dit que le prochain deadline pour les actions à venir, c'est le 15 septembre. Et puis, ce n'est que maintenant que les actions vont commencer à être lancées en septembre. Je prends un exemple. Alors, c'est un exemple, donc, goût et odeur du diagnostic de l'eau de source ou de l'eau potable, enfin, des problèmes de goût et odeur dans le diagnostic précoce des problèmes d'eau de source ou de l'eau potable. Pour chacune des actions, vous avez un résumé. Ce document, il est, je peux vous donner les langues. Pour chaque action, vous avez le domaine d'expertise. Là, par exemple, c'est tout ce qui est donc, environnement, donc chimique, sciences chimiques, analyse, etc. Chimique, l'étude de l'environnement, ça, tout ça, c'est les domaines. Et puis, les mots-clés, c'est tout simplement la qualité de l'eau, l'analyse sensorielle. L'analyse physico-chimique, le traitement de l'eau, etc. Vous avez le même proposeur pour cette action qui est action 18-225, c'est la Bulgarie par exemple. Vous avez le réseau des pays qui proposent, c'est-à-dire qui ont accompagné le même proposeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc vous avez 15 pays. Bon, ils donnent un peu la proportion, 52% donc, de femmes à peu près pour la technologie. Et puis, il y a aussi des partenaires internationaux. Vous avez donc des pays partenaires internationaux, l'Australie, le Canada, les États-Unis, pour cette action, donc toujours dans le goût et odeur de l'eau. Et vous avez également des SMIs, donc des entreprises finlandaises, grecques, etc. Voilà un exemple. C'est un exemple d'une action qui n'est pas encore entrée en application. C'est à partir de septembre. C'est à partir de septembre, par exemple, que les comités de coordination de ces actions vont se réunir. On va leur dire, voilà le budget. Maintenant, comment vous allez réaliser ce travail? Est-ce que vous avez besoin de conférences? Qu'est-ce qu'il faut financer? Alors, je vous invite à une petite visite donc, du site de COST EU. Ça, c'est COST.
Et puis, regardez, vous avez News, Events, Multimedia, Publication, Contact Us. Vous avez l'icône e-cost. Donc, pour pouvoir donc vous inscrire et avoir un identifiant. Qui sommes-nous, Funding? Et ce qui nous intéresse, vous avez Cost Actions. C'est-à-dire toutes les actions qui sont... Voilà, par exemple, une action, donc 16, je pense... Je viens de faire le lien, je pense 16, les deux premiers chiffres c'est l'année, et le deuxième c'est donc 16, je suppose, hein, 16, etc., 16233. Dryland facing, donc les zones arides, etc., donc les problèmes de changement climatique, de sécurité alimentaire, de stabilité des populations, etc. Je vais revenir sur ça. Alors, comment COST peut promouvoir donc tout ce qui est activité avec les pays du voisinage? How to engage with COST? Comment on peut intervenir dans COST? Trois cas. Le premier, comme participant à une action qui est en cours. Comme je vous ai dit, il y a à peu près 200 actions, donc une action en cours. Deuxièmement, comme proposant secondaire pour une action COST. Vous voyez qu'on n'est pas main proposer pour les pays donc, du voisinage, ce n'est pas le proposant principal, hein, donc secondaire. Et puis la troisième, qui est très très importante, become an external expert. Devenir expert. Alors, indépendamment de notre participation des pays du voisinage, j'ai eu ces statistiques pour me dire oui, mais quand même si ces pays n'étaient pas encore officiellement dans COST, mais quand même il y a des actions qui ont été financées. Et on voit par exemple l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Égypte, il y a eu donc 11 financements, la Jordanie 12, le Maroc 17, la Tunisie 24, l'Algérie le cache. Ça, c'est probablement c'est des étudiants qui cherchent, ils gardent à cas, bon, voilà, vous pouvez participer, remplir un formulaire. Bon, je pense que c'est comme ça que ça peut marcher aussi. Alors, devenir un expert donc COST, vous aurez l'occasion de contribuer à l'évaluation donc, des appels à propositions en cours, de participer donc à tout ce qui est réunion, etc., sur les résultats et des actions, et être invité pour tout ce qui est réunion de coordination. Ça, c'est à travers le formulaire qu'on va le voir. Comment rejoindre l'action? Alors, premièrement, il faut trouver votre futur partenaire. Une action, chaque action elle est dirigée par un chef, un co-chef et un conseil, etc. Donc il faut trouver votre partenaire. Discuter de la coopération mutuelle. Et puis après, donc, il y a une lettre d'intention qu'il faut envoyer au chef, et puis il faut remplir les formulaires, etc., à travers l'espace de COST. Quand c'est approuvé, donc dans la moyenne c'est 3 à 4 semaines, donc à ce moment-là, on peut participer et rejoindre l'action. Et à ce moment-là, donc le pays peut devenir membre de coordination de l'action. Alors, maintenant, comment participer à un appel COST pour proposant secondaire? Quand? Alors, je disais, le prochain deadline, c'est le 5 septembre. Le 5 septembre, donc je vous ai montré un exemple, je vous ai montré qu'il y a des pays qui sont dedans. Donc, si on arrive à contacter le main proposer, on peut discuter, échanger des documents, etc., et rejoindre. Enfin,
être parmi les candidats pour au cas où l'action donc est retenue. Autre chose, toute l'évaluation donc se fait en une seule étape, en ligne et à travers bien sûr le compte ICOST. Par qui? Par, on l'a dit, c'est toujours le proposeur principal et les proposants secondaires. Et combien? Donc on dit 20 à 40 actions peuvent être acceptées à chaque session. Ça veut dire le prochain septembre, il peut y avoir aussi 24 à 40 nouvelles actions. Alors, je reviens un peu plus sérieusement maintenant au portail. Je reviens toujours dans Cost Action, c'est là où je vais d'abord. Alors, vous avez deux, vous avez e-cost et vous avez la consultation publique, donc des Cost Action. Alors, lorsque vous pouvez faire après, donc e-cost action, je clique dessus, browse, donc vous pouvez parcourir les actions qui sont là. Quelques sont actions. Voilà une autre action, par exemple, ça c'est The Neural Architect of Consciousness, je ne sais pas, et puis vous avez la description de l'action, ça c'est en ligne, et puis vous avez les principaux acteurs. Vous avez le chair, les co-chairs, et puis les gens qui administrent l'action. C'est les personnes à contacter. Pour chacune des actions, vous avez ces détails. Alors, on a dit que tous les échanges se font à travers COST. Et là, la première des choses, c'est de se créer donc un profil. Là, c'est les aspects pratiques, je vais revenir dessus. Donc, permettez-moi de résumer un peu. Donc, pour toutes les actions qui sont en cours, les gens peuvent s'inscrire à l'action, puis à travers donc le proposant principal. Pour les étudiants, il n'y a pas de problème. Pour les institutions, donc, il faut qu'il y ait un intérêt partagé. À travers les établissements, sachant que aujourd'hui on est membre. C'est pour ça que tant qu'on fait toute cette démarche. Le travail se joue dans la définition de l'action, mais on intervient en tant que participant secondaire. Ça veut dire que déjà, à supposer que j'ai l'idée géniale, ça veut dire qu'il faut que je trouve, moi d'Algérie, quelle est la personne ressource européenne qui va présenter l'idée. Et puis après, il y a les participants secondaires. On a discuté un peu ces aspects. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que quand même, c'est une communauté de scientifiques. C'est une communauté de scientifiques et c'est eux, cette communauté scientifique, qui va gérer le budget de l'action. Pas faire ni les recteurs, ni les présidents, ni les scientifiques. Et on suppose qu'il y a un minimum d'éthique. C'est mon idée principale, c'est des structures qui sont très sérieuses, qui sont très votées, vous avez des prix Nobel, vous avez des... Mais là, c'est important. Et puis, un autre élément très important aussi, c'est rejoindre la communauté des experts. Moi, j'ai la chance d'être expert européen. Une session d'évaluation, c'est 4 000 euros. 4 000 euros, hein. 4 000, c'est un show. 4 000 euros, ça fait très bien. Et j'ai parlé de high sensitivity, etc. Vous avez des compétences et je vous ai dit, dans la population des experts, on n'en a pas des masses. Alors, maintenant, je vais ajouter quelques astuces. Alors, premièrement, donc, pour pouvoir échanger, donc, il faut avoir votre identifiant e-cost et à travers la plateforme e-cost. Donc, on a fait e-cost et puis, il va vous demander de définir votre profil. Vous commencez à remplir votre profil.
Et là, je fais un petit saut sur ce que je présente déjà sur les réseaux sociaux académiques, etc. Premier élément, je rentre le titre, le nom, le prénom, etc., l'anniversaire, etc., la nationalité, et puis on vous demande votre orsi. On vous demande votre orsi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde a beaucoup évolué. S'il y a des gens qui doutent encore, moi j'étais vice-recteur dans les années 90, et on recevait des correspondances, et vous dites, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des chercheurs qui travaillent sur ça, envoyez-nous la liste. Elle dit, maintenant, ça n'existe plus. C'est pour ça qu'on parle de réseau académique de recherche. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. On fait beaucoup de promotions sur Google Scholar. Mais je dis, Google Scholar, il peut y avoir une forme de triche dans Google Scholar. Vous avez des gens, par exemple, qui trouvaient un lot 4000 citations, alors que dans la réalité, ils n'ont pas 4000 citations, ils ont pris la citation des autres. Et je peux dire, moi je m'appelle Sylvain Murtard, quand j'ai créé Google Scholar, il y avait d'autres Sylvain Murtard. Et automatiquement, il m'a mis la production de termes, donc il fallait que je l'enlève. Mais quelqu'un peut dire, ah je ne savais pas. Mais par contre, leur site, c'est un identifiant unique que vous allez développer vous-même. C'est un peu votre CV. Dans une forme un peu plus online, etc., avec des actualisations automatiques. Mais aujourd'hui, pour les projets européens, pour les revues à Fort Impact, on vous demande votre orsi. Identifiant unique. Donc la première des choses, il faut aller créer votre orsi. Voilà. Ça s'appelle orsi.org. Pour les gens qui connaissent. Orsi.org. Je vais sur orsi.org, je crée le compte, je ne sais pas si je l'ai fait ici. Donc la même chose, créer un compte et voilà par exemple leur site, voilà mon orsite, c'est des zéros et puis 89, 41, 12, 25 et je passe. Donc voilà comment on crée leur site, c'est en trois étapes, on s'enregistre et puis on commence à remplir, je ne vais pas rentrer dans les détails, voilà leur site. Et leur site, donc je peux l'exporter en tant que mon CV, en tant que site. Alors ça, c'est concernant l'identifiant. Oui. Pour OSIR, pour la mise à jour, c'est facile pour faire le compte dans le, pour renouveler les données. Je vous ai dit, lorsqu'on fait nos CV à nous, en général, vous êtes professeur, vous êtes dans des trucs, c'est des informations qui ne changent pas. Les seuls éléments qui changent, c'est un peu la production scientifique. Maintenant, si vous êtes sur un réseau comme Orsi, automatiquement, quand il y a une publication, il va l'intégrer automatiquement. Donc ça, c'est la première des choses. Ça, c'est pour vous identifier, avoir un identifiant unique. Mais maintenant, pour vous faire connaître, le meilleur site que j'avance, c'est ResearchGate. Vous connaissez ResearchGate ? Oui. Donc c'est ResearchGate. Premièrement, il vous permet d'exporter votre CV. Deuxièmement, vous avez aussi LinkedIn pour des gens donc, qui sont dans l'académie. Ça veut dire que la première des choses, quand je reçois un message d'une personne, je vais essayer de voir s'il a ResearchGate ou s'il est sur LinkedIn. Et s'il est dans mon réseau ou pas. Lorsque vous allez sur ResearchGate, la première question qu'on vous pose, « What project are you working on right now ?» Quel est votre projet sur lequel vous êtes en train de travailler ? Dès que vous donnez les mots-clés, il va automatiquement vous lister plein de gens qui... Donc tout à l'heure, si j'ai une action qui porte sur les odeurs et la qualité de l'eau, si mes mots-clés, c'est cela, automatiquement, il y a de fortes chances que si les autres chercheurs sont... dans ResearchGate, il va me les proposer. Moi, j'ai fait l'expérience. J'avais un étudiant, il avait son sujet de thèse, il a mis le sujet de thèse, les mots-clés, on lui a dit que ce sujet de thèse, il est traité en Inde, etc. Et c'est comme ça qu'il a développé un partenariat avec les Indiens, etc. Je veux dire par là, le véritable problème, c'est comment se faire son réseau de recherche. Et faire son réseau de recherche, c'est donnant-donnant. Un chercheur, c'est entre communautés chercheurs.
s'il trouve qu'on partage des choses, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que tous les projets sur lesquels nous sommes en train de parler, c'est des projets quand même de qualité, où il y a une compétition importante, etc. Trouver après 500 000 euros dans un projet, pouvoir financer donc beaucoup d'activités, ça suppose quand même qu'il y a une population bien identifiée. Donc moi, je vous invite à faire ResearchGate. Avec ResearchGate et avec leur site, vous avez des possibilités donc de faire votre reste. Voilà, je termine. S'il y a des questions, on va prendre quelques questions.